On pourrait penser que c'est un jeu, mais c'est une compétition des plus sérieuses. Le championnat de France de voitures à pédales a fait étape à Cernay aujourd'hui. C'est comme un rallye de Formule 1, mais sans le bruit. 32 voitures engagées sur un circuit de 800 mètres. Évidemment, il faut être le plus rapide possible, mais aussi soigner le décor et les déguisements. Écoutons à ce propos le président de la Fédération française de voitures à pédales, Dominique Caillet. Alors, la course dure 2 heures et demie. Et on fait celui qui fait le plus de tours sur un circuit d'environ 1 km. Bon, ça peut être de 600 mètres à un peu plus d'un kilomètre. Il y a un comptage. La voiture qui fait le plus de tours gagne la vitesse. Et il y a 5 personnes qui sont prises pour noter la beauté des voitures, les costumes, les stands, l'ambiance, le sens du spectacle. Et on fait un classement esthétique. Et après, on fait le combiné des deux. Et c'est le plus important, c'est le combiné, quoi.